Coucou tout le monde! Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour les résultats de mon concours FIMO. Donc d'abord, désolée pour le bruit parce que ma fenêtre est ouverte parce qu'il fait très chaud. Voilà. Donc d'abord, je voulais toutes vous féliciter parce qu'en fait, j'ai eu plus de 250 participations et plus de 120 vidéos en ligne, un truc comme ça. 120 vidéos postées. Donc c'est vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup. Donc voilà, je vais pas trop faire une vidéo trop longue parce que je sais que c'est un peu ennuyant quand il faut trop attendre. Donc voilà, alors à la base j'avais une gagnante avec l'eau. Finalement je me suis dit que j'avais deux gagnantes. Donc à mon avis vous allez être vraiment contente. Donc il y aura deux gagnantes avec l'eau et le reste. En fait à la base j'avais dit trois gagnantes. Donc la première avait un lot et les deux autres avaient des lots YouTube. Finalement j'ai fait cinq gagnantes parce que j'en ai eu trop donc c'était trop compliqué. Deux avec l'eau et trois avec l'eau YouTube. Donc voilà. Enfin deux avec vrai lot. Donc je vais d'abord commencer par la cinquième gagnante. Donc vous cinq, vous étiez tous plus ou moins, enfin non pas plus ou moins, mais au moins les deux premières étaient vraiment horribles à départager, mais ça vous allez voir après. Donc je vais d'abord vous dire la cinquième gagnante, donc qui était une débutante. Donc c'était incroyable, enfin incroyable. Pour une débutante, c'est pas mal du tout. Donc tous les 5 premières gagnantes, je vous mettrai leur chaîne en barre d'infos. Faut vraiment que vous alliez voir, que vous abonnez à leur chaîne. Parce que c'est vraiment incroyable. Enfin, je trouve ça vraiment bien ce qu'elles font. Donc là, cinquième, c'est A Little Shani. Donc c'est une débutante et elle a fait vraiment de choses bien pour une débutante. Donc vraiment magnifique. Donc je m'abonne à ta chaîne. Je te mets des j'aime et des commentaires. Donc je sais pas trop combien, mais voilà, ça viendra comme ça. Je vais pas me dire, allez, il faut encore que j'en mette un. Voilà. Je vais pas me dire 5 commentaires, on verra bien. Voilà. Les commentaires qu'il faut, les j'aime qu'il faut et l'abonnement, bah, c'est un abonnement. Donc voilà, la quatrième. Donc là, je pense pas que c'est une débutante. Je sais plus trop. En tout cas, elle a fait aussi deux choses très jolies. Donc c'est Japan Cute Kawaii. Donc bravo à toi, c'était vraiment aussi magnifique. Enfin vraiment, bravo, bravo, bravo. Je m'abonne à ta chaîne, j'aime certaines de tes vidéos et je mets des commentaires. Voilà, alors encore bravo, hein. La troisième, qui était aussi très 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 bien. Donc au début j'ai cru que c'était ma première, puis il y en a deux vidéos qui sont arrivées par après, donc sinon elle aurait été ma première si ces deux vidéos d'après ne seraient pas arrivées. Enfin n'étaient pas arrivées, pardon. Donc elle s'appelle Miss Lolo Créative, donc je te félicite, tes créations étaient vraiment hyper 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 originales. Donc allez voir vraiment sa chaîne, c'est juste incroyable, elle est originale, elle a fait... un cupcake Kinder, c'est trop incroyable, enfin, je trouve ça trop trop joli. Elle a aussi fait un cupcake avec la moustache, enfin la moustache de l'Angleterre, je pense, dans la chantilly et tout, enfin un truc incroyable avec un chapeau et des lunettes, c'est trop mignon, et les yeux et tout. Enfin, elle a vraiment fait des choses très 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 jolies, donc ça c'est le thème qui m'a le plus frappé. Donc je te félicite, donc je m'abonne à ta chaîne. Faut pas que ça aille trop longtemps, c'est 3 minutes, ça va. Je mets des j'aime et des commentaires. Alors maintenant, on arrive à la deuxième gagnante. Donc, celles qui recevront les lots. Donc, je montre déjà les lots de la deuxième gagnante. Donc, je vais pas vous montrer trop en détail, hein. Voilà, il y a des cure-dents, du ruban, un aimant. Il monte pas hyper hyper bien, mais ça va encore. Des tranches comme ça que j'ai fait un peu cuire et qu'on peut après tremper pour faire de la décoration. Voilà, il y en a encore un là. Des punaises, un grelot. Un nœud, un mini moule. Attends. Voilà. Un mini moule. Du ruban, je sais pas si j'ai dit. 4 punaises ou 3, je sais pas, 2. Voilà, donc en bref, c'est un peu ça. Quelques tranches de canne. Et des petites perles, enfin les petits papillons et les petits cœurs vahinés. Et des perles vahinées. Alors par contre, c'est des sachets que j'ai fait moi-même parce que j'avais plus de sachets, donc désolé, hein. Voilà, je pense pas que c'est trop grave. Donc voilà, alors tes créations étaient juste incroyables. Tu es débutante, tu fais de la FIMO depuis 2 mois, donc tu vas peut-être te reconnaître. Donc voilà, je sais pas si tu commences à te reconnaître. Donc tu es, je pense, une de mes dernières personnes à avoir mis une vidéo. C'était juste incroyable ce que tu as fait. Oui, bon, je vais expliquer un peu ce qu'elle a fait. Donc, tu as fait un donut. Incroyable. Trop mignon.
Attends, qu'est-ce qu'elle a fait d'autre? Enfin, elle a fait des trucs incroyables, quoi. Un cupcake très original. Bah, c'était le. Avec une petite. Non, je vais pas dire, sinon elle va trop savoir ce qui c'est. Mais voilà, donc c'est Laetitia P. Donc je te félicite, c'était vraiment incroyable ce que tu fais. Enfin, c'est vraiment merveilleux. J'étais vraiment en train de rêver devant tes créations et tout. D'ailleurs, je suis désolée, hein, mais je me suis un peu inspirée de tes créations pour faire des créations en moi. Mais t'inquiète pas, je dirais que je suis inspirée de tes créations. Parce que c'est juste incroyable ce que tu fais. Enfin, en fait, ce que j'aime beaucoup chez toi, c'est ta précision. T'es hyper précise et tu fais des choses tellement délicates et fines et tout. C'est vraiment magnifique et très original aussi. Donc voilà. Bravo encore à toi. Donc tu recevras ce petit lot-là. Hein. Voilà, ça sort quand même de ma poche. Donc c'est comme ça que c'est pour ça que voilà, je peux pas faire des lots. Immense, même si vous trouvez quand même qu'ils sont déjà pas mal, parce que vous m'avez beaucoup, beaucoup m'ont dit que les lots étaient incroyables. Voilà, donc c'est gentil. Je ferai aussi une petite vidéo pub pour toi qui arrivera, je ne sais pas trop quand, mais pas dans un mois, hein, on verra, pendant ces vacances en tout cas. Je m'abonne à ta chaîne, ça c'est sûr, je mets des j'aime et des commentaires. Donc t'as fait beaucoup de participation à des concours, et j'ai remarqué que t'as gagné déjà pas mal, enfin pas mal. Moi j'ai vu que t'as déjà gagné deux concours, un truc comme ça, donc c'est pas mal, hein. Je vois que. Tu vas vite monter d'abonnés à mon avis. Et voilà, ça fait pas très longtemps, je pense qu'elle fait des vidéos, mais elle mérite quoi d'avoir plus d'abonnés, c'est vraiment incroyable. Donc voilà, désolée hein, pour les dons, voilà. Et alors, la grande première qui a fait des choses aussi incroyables. Donc elle a le gros lot, je vais pas vous montrer, hein, si vous voulez le voir, vous allez voir la vidéo du concours. Voilà. Un lot quoi. C'est encore des pochettes que j'ai faites moi-même, désolée. Voilà, enfin un gros lot, tout ça là-dedans. Voilà, enfin je mettrai pas là-dedans, je mettrai dans une enveloppe. Hein. Enfin une enveloppe bulle bien molletonnée et tout, comme ça il n'y aura pas de problème normalement. Enfin il n'y aura pas de problème, j'ai mis de problème donc voilà, bref. Donc c'est, j'ai envie de faire du suspense et tout, mais je sais que c'est énervant. Donc elle a fait beaucoup de personnages. Donc voilà, je sais pas si tu commences à deviner qui tu es, enfin si tu sais qui. Si tu devines que c'est toi. Ouais, elle a fait beaucoup de pires personnages. Elle a fait une sirène. Ouais, mais t'es pas la seule à avoir fait une sirène d'ailleurs. Et donc c'est Miss Embrouille. Donc voilà, Miss Embrouille, c'était incroyable ce que t'as fait. Enfin, c'était vraiment magnifique, 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 magnifique. Qu'est-ce que tu as fait encore? Oui, t'as fait un cupcake. Ton premier cupcake, c'était pas vraiment un cupcake, mais bon, tant pis, parce que le deuxième était trop, 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 trop magnifique. Elle a fait un cupcake avec de la chantilly, mais faite à la main. Tourbillon là. Avec une petite fille qui tient la chantilly. Comme ça, c'est trop, trop mignon. Faut trop que vous alliez voir. Ouais. C'est trop magnifique. Elle a fait aussi des personnages, une sirène incroyable, une petite fille avec les cheveux bouclés. Je sais pas comment elle a fait ses boucles avec des. Oh, c'est trop trop incroyable. Il faut vraiment que vous alliez voir. Donc tu as le gros lot, hein, voilà. Et je te félicite encore parce que elle a. C'était sa première vidéo. Désolée, il y a des paillettes un peu partout. C'était sa première vidéo et c'était. Enfin, on a toujours une, je pense. Et c'est ma participation à mon concours. Et c'est elle qui gagne en plus. Donc ça me fait vraiment plaisir. Donc ça va vraiment te faire pousser sur YouTube à mon avis. Parce que vraiment, tu fais. Si tu continues à faire des vidéos, j'espère que tu feras d'autres vidéos, des tutos et tout. Parce que franchement, tu peux vraiment bien évoluer comme ça, je suis sûre. Parce que tu fais vraiment des choses magnifiques. Donc je suis vraiment très très contente pour toi. Donc je m'abonne à ta chaîne évidemment. Je mets des j'aime, des commentaires. Et tu auras aussi le lot. Donc voilà, j'attendais trop avec impatience de faire cette vidéo, je sais pas trop pourquoi, mais je suis triste que ce soit terminé presque. Donc j'ai trop envie de savoir vos réactions et tout, donc désolée pour celles qui ont raté. Mais la vidéo n'est pas terminée, ça fait déjà 9 minutes et je suis en train de parler pour rien. Donc voilà, vous m'envoyez bien votre adresse en message personnel, hein, n'oubliez pas. Donc essayez de le faire au plus vite, dès que vous voyez la vidéo, parce que voilà, comme ça je peux plus au plus vite vous envoyer les lots. Donc Laetitia P et Miss Embrouille, n'oubliez pas. Donc je mettrai votre lien de votre chaîne en barre d'infos parce que c'est vrai qu'il y a peut-être plusieurs Miss Embrouille, plusieurs Laetitia P, mais je ne pense pas. Non. En tout cas, pas dans mon concours. Bref, voilà. Donc je voulais aussi féliciter. C'est déjà fait. Ça fait déjà 9 minutes 48. Féliciter quelques. Enfin beaucoup. Désolée pour les portes qui claquent. Je suis désolée.
féliciter certaines d'entre vous parce que vous avez fait quand même des belles choses. Donc, je voulais vraiment féliciter donc deux personnes. C'est Chloé Fimo1 et Dada Gourmandise en Fimo. Donc, je vous félicite vraiment. C'était aussi très magnifique. Donc, je me souviens plus vraiment de ce que vous avez fait et tout parce que voilà, avec toutes les vidéos que j'ai vues, mais j'en souviens que c'était très joli. Ensuite, j'aimerais bien aussi féliciter Minuston, Pet Shop Miss TV. Désolée pour la prononciation un peu bizarre, mais enfin voilà. Mademoiselle Créa, Debbie Fimo, Miss Mademoiselle Fimo, Fimo Fun Lol, Plaisir de créer, Plaisir d'offrir, Livy Fimo, Créatrice 15, Ose Fimo, Lily Fimo Jim, The Mademoiselle Minouche, Apple Fimo et Miss Emerald 76. Oui, 76. Voilà. Parce que c'était aussi magnifique. J'ai l'impression d'oublier quelqu'un. Non, je sais pas. Si j'oublie, je mettrai en commentaire. Voilà. Donc, c'était vraiment magnifique. Je vous félicite vraiment, 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 vraiment. Donc, encore bravo à vous toutes. J'espère que vous n'êtes pas trop déçues. Mais il y aura peut-être d'autres concours qui arriveront. Mais il faut que je fasse ça pendant les vacances. Parce que ça, c'était un peu, sinon un peu trop, hein. Parce qu'il y a avoir 10 vidéos par jour, et puis comme je suis partie 2 semaines, que j'avais pas internet, ça. Alors comme je suis maligne d'organiser un concours quand je vais partir pendant les vacances, qu'est-ce que c'est bien de ma part. Donc voilà, c'était génial. J'ai juste pu regarder mes mails comme certains le savent. J'arrive pas à conjuguer les verbes aujourd'hui, désolée. Donc quand je suis rentrée, j'ai dû regarder une cinquantaine, soixantaine de vidéos, donc c'était génial. Non, allez, ça allait. Enfin, quand même, c'était quand même pas mal. Donc, j'ai trop envie de parler aujourd'hui. Donc voilà, si vous avez envie, vous pouvez partir si vous voulez pas m'entendre parler. Mais voilà. Donc voilà, j'ai l'impression d'avoir d'oublier de dire des trucs. Ça m'énerve. Donc voilà, je pense que c'est tout. Donc je vous félicite toutes, 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 toutes. C'était vraiment incroyable. Et oui, si je refais un concours, à mon avis, ce sera pendant des vacances. Peut-être à Noël, à... J'espère avant Pâques, peut-être, je sais pas, en octobre ou quoi. Mais j'essaierai de faire un concours en partenariat. Donc on verra. On n'y est pas encore. Ne me posez pas trop de questions. On verra. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez aussi une FAQ. Parce que je pense que je vais ouvrir une FAQ que j'avais dit depuis 2 mois. Comme ça, que j'ai toujours pas faite. Parce que j'ai beaucoup, beaucoup de questions qui reviennent. Et je me dis que pour mes 1000 abonnés, parce que oui, j'en ai 970 quelque chose, je suis hyper contente parce que ça a fléché bouh, comme ça. J'en avais 350 quand j'ai commencé le concours, je pense. Donc, je vous remercie énormément, 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 énormément. Je suis trop contente. Donc, voilà, je pense que c'est tout. Donc, ça fait 12 minutes. Oh, punaise, ça va prendre du temps pour charger. Hein. Bref, voilà. Donc, je vous félicite toutes les 5 gagnantes. Et Laetitia P. et Miss Embrouille, n'oubliez pas de mettre votre. Votre adresse en message privé. Donc voilà, donc c'est tout. Je vous félicite. J'arrête pas de dire ça, mais voilà. Et je vous fais à toutes et à tous des gros bisous. Je vous félicite encore. Pourquoi je dis ça encore? Voilà, je vous félicite. Et je vous dis à très bientôt. Bye!